Je pense que l'immigration enrichit un pays. C'est vrai, c'est important de garder ce qui est riche dans les origines de la France ou dans les autres. Là, j'ai l'impression qu'on attise le racisme. On met sur le dos des migrants des problèmes économiques qui ne leur sont pas liés. Des économistes très très avertis nous disent bien que ce n'est pas les migrants qui créent des déficits dans les caisses de sécurité sociale et autres caisses de l'État. Au contraire, ils produisent une richesse et dont on va se priver en faisant toutes ces lois. Et en plus, on attise le racisme et en plus, on va dans le sens du Front National. Les allocations familiales qui sont supprimées pour les familles, qu'il faut qu'elles attendent 5 ans ou 30 mois après quand elles se mettent à travailler. Mais c'est grave, enfin, je veux dire, ces personnes-là, elles n'arrivent pas déjà à toucher de l'argent. Puis ensuite, on leur supprime ça. Et en plus, les étudiants qui doivent verser une caution alors que déjà, ils arrivent en France sans rien. Et en plus, ils doivent donner de l'argent que soi-disant, on donnera après, à la fin. Mais ça leur sert à quoi? Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est lamentable. C'est lamentable de faire ça.